Tout le monde arrive, on est 115. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le jeu concours. C'est parti. C'est parti, jeu concours. Où est-ce qu'il est, mon truc? Il est là. Ta-ta-ta. Vous voyez cette plage magnifique où les gens se baignent. Hey, Dazit, c'est un nouveau cuties. Change de chaise, ça fait trop de bruit. Ouais, ça, je vais te laisser tout seul. Voilà, tu me laisses tout seul? Ouais, ouais. Super. Je me casse, sans j'en ai ras le cul. Tiens. Pour la peine. Aïe! Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je fais des signes cabalistiques à mon collègue qui est là-bas. Aujourd'hui, super. Aujourd'hui, un jeu concours, encore une fois en image, comme on a fait la dernière fois. Je vous montre une image et vous me répondez sur le chat hein, directement. Vous répondez, vous donnez la bonne réponse. Et puis, on a mis une petite application grâce à notre ami Charlie Rouget l'autre jour, alias Deadmol, et Renaud, alias Duncan. Ils nous ont dit qu'il y avait une petite application. Donc là, il n'y a pas de possibilité de tricher ou quoi que ce soit. Il va prendre toutes les réponses. Il va faire un tirage au sort à la fin quand j'appuierai sur le bouton tirage au sort. Et l'un d'entre vous aura le droit de gagner un superbe truc. J'ai une coupe de cheveux improbable aujourd'hui. De quoi? On va regarder après. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Purée. Il me renvoie son ballon, là. Chiant. Alors, attention, on y va, attention. Mesdames et messieurs. Tu es où? Je suis au milieu d'une plage en Chine. C'est pas mal, hein, ça donne envie d'y aller en vacances. Je vous montre une image, vous me trouvez le titre du film auquel il correspond. Voilà. Vous mettez ça sur... C'est facile. C'est vraiment super facile. Donc, vous mettez ça sur, sur le chat et il va y avoir... il va y avoir un... Un tirage au sort. Voilà, un tirage au sort. Ah là là là, est-ce qu'il y a déjà des réponses qui arrivent? Alors, il y a Wheezy Marty qui a dit un truc. Lucky Beat qui dit aussi, qui est écrit en vert d'ailleurs, on le voit pas bien. The Room, Satatata, Snatch... Snatch. Et franchement, vous dites tous, hein, que ça soit jeune pomme. C'est pas vrai. Que ça soit jeune pomme, que ça soit tout le monde dit Snatch, et c'est pas Snatch. J'ai dit ça aussi, moi. Thomas a fait la même erreur. Ce n'est pas Snatch, mesdames et messieurs. Ce n'est pas Frankenschnouf. C'est super Zaxxon. Non. Snatch, c'est pas du tout Snatch. Oui, t'as vu, Jarry 79, cette violence qu'il y a au sein de QTO Prod. Je souffre tous les jours. Thomas Assassin. XO Edge. Et non, Pam, tout le monde nous dit Revolver, non. Le Transporteur, non. Snooch. C'était pas Snooch non plus, Choubidouawa. Alors, il n'y en a pas un qui va trouver la bonne réponse. C'est un truc de fou, ça. C'est les miennes, ça. Il n'y en a pas un qui va trouver les bonnes réponses. Ah ah! Aïe, je vois des réponses qui arrivent. Qui sont les bonnes? Oh mon dieu, putain, quelle horreur! Tu vois, j'ai les miennes dedans. T'es sûr que tu t'es pas trompé? T'as pas mis les miennes parce que j'ai bavé dedans là. I want to break free! Alors, ça avance? Ah, alors là, je vois Wheezy Marty. Il y a pas mal de monde là. Poussette Pêche qui donne la bonne réponse. Alex Film Production qui donne la bonne réponse. Etc. etc. Choubidou Wawa donnait la bonne réponse. Bravo les mecs, vous avez donné la bonne réponse. Pour la plupart d'entre vous, vous avez donné la bonne réponse. Nuit de Cristal qui dit hypertension. Ohio, hypertension. Et non, c'est pas ça. Voilà, jeune pomme qui donne une réponse aussi qui me semble être pas mal du tout. Cool Gamer, voilà, bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Il y a eu plein de bonnes réponses. Je sais pas qui a donné la réponse en premier. Je serais curieux de le voir parce que tout le monde a bloqué sur Snatch. Et c'est marrant parce que je crois que c'est Balzing ou Balzin qui a donné la bonne réponse en premier. D'ailleurs, j'avais jamais vu ton pseudo, Balzin. Non, jeune pomme non plus, si. Jeune pomme non plus, j'avais jamais vu ton pseudo. Donc bienvenue, les gars. Et on voit donc un don qui s'affiche de Rivaol en claquette.
qui a fait un don de 2 euros. Merci à toi. On va refaire un petit point sur les dons après. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lance le tirage au sort? C'est parti. Alors attention, on triche pas. Vous voyez, il y a une petite application qui est là. 21 personnes qui ont répondu. Il y a 21 personnes qui ont répondu. Et hop, on appuie sur le rouleau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est Alex Film Production qui a gagné aujourd'hui, qui a gagné. Ah ah! Qu'as-tu gagné, Alex Film Production? Alors attends, tiens, remets-toi sur le si tu peux, sur le truc normal. Yep. S'il te plaît, merci, cool. Alors, Alex Film Production, tu choses du combien en t-shirt? C'est ça, exactement. La question qu'on va te poser, c'est ça. Oh, on attend sa réponse. Alex Film Production, si tu nous entends, tu mets du combien en t-shirt? C'est vrai qu'on l'a jamais vu, lui. Je fais du M. Eh ben, ça tombe très bien. Oh là 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 là, la classe! Tu as gagné un t-shirt Splatoon en taille M. C'est fait sur mesure pour toi. Avec marqué ton nom dessus. Alex Film Production, c'est marqué là, à l'intérieur. T-shirt de Splatoon pour toi. Donc, ce que tu fais, c'est que tu envoies un petit mail à max@qte.fr avec ton nom, ton pseudo et ton adresse. Voilà, voilà, voilà. Et on t'envoie ça. On doit aller à la poste. Ouais, tout le monde dit GG. Oh, bouffe deux. Bon, non, c'est pas recyclé. On voulait le faire gagner la dernière fois, il y avait un tirage au sort. Là, c'était un tirage au sort et j'avais deux trucs. C'était soit le tirage au sort avec le disque de Mireille Mathieu et le t-shirt. Et le disque de Mireille Mathieu, c'est Lucky Beat qui l'a gagné la semaine dernière. Voilà. Mais donc, c'est ça. Il est pas recyclé en plus, il est pas porté sous blister. Non, nickel. Donc, les gars, voilà, jeu concours. Aujourd'hui, c'est le recyclage du dernier jeu concours. T'as t-shirt Splatoon? Mais non! Mais non! Bah oui, mais de toute façon, il n'avait pas été gagné, il faut bien qu'il soit gagné à un moment donné. Voilà, voilà. Bon, bah écoute. Mon t-shirt? Ton t-shirt de publicité. C'est ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, on va faire par équipe là. Ça va. Ah, on est 107. Tu peux recycler le disque de Mireille Mathieu. Si tu veux. Non, je t'assure que non, on te l'a envoyé, il est dans une belle pochette, je t'ai mis un joli mot derrière. Avec une belle signature. Dit, mais non, ils sont super volos, merci de faire des jeux concours déjà, bah oui, tu m'étonnes. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est cool. Les râleurs, dit Chubby Baba. Pas du news, Thomas, ce soir, Lucky Beat. Non, vendredi, Breaking News, vendredi, je t'en prépare une sévère. J'aime bien Chubby Baba qui continue. Arnaque crème et botanique. Voilà, mais le tirage au sort a déjà été fait. Alexis Production, pour ton superbe cadeau. Oui, alors voilà, voilà. Tu as gagné le t-shirt Splatoon. On en a encore d'autres à faire gagner, des t-shirts Splatoon. Plein. Voilà, on a encore d'autres t-shirts. Pardon, excuse-moi. À faire gagner. Donc, le t-shirt Splatoon, si quand tu l'auras reçu, si tu veux faire une petite photo pour nous l'envoyer, on la tweetera. Tu seras célèbre.